Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage au nom de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Shalom, bonjour, bonjour, bonjour. Bon matin, bon début de semaine, bon début de mois. Bien-aimés, nous sommes au mois de mai, cinquième mois, bien-aimés de cette année 2023, nous rendons gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer, 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 acclamer fortement le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Au nom de Jésus, gloire au Seigneur. Shalom, shalom, shalom. Bonjour à tous et que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Une joie immense de nous retrouver ensemble ce matin dans la présence de Dieu. Une joie immense de nous connecter encore ce matin pour vivre ensemble la gloire de Dieu. Alléluia. Là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur, acclamer le Seigneur. Bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur se manifeste puissamment, puissamment, puissamment dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, bon matin, ça fait plaisir de nous retrouver encore ce matin. Ça fait un certain temps, nous n'étions pas ensemble, mais je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire monter, faire monter, faire monter, faire monter des fires, des fires, des fires devant la présence de notre Seigneur? Est-ce que tu peux le faire pour la gloire de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons célébrer ce jour, célébrer cette nouvelle journée que le Seigneur nous accorde. Bénir Dieu pour ce matin, pour cette semaine, pour ce mois qui commence dans la présence de notre Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimé, prépare-toi dans la prière. C'est un culte, un moment de prière spécial. Oui, c'est un culte spécial, bien-aimé, où nous consacrons le nouveau mois à Dieu. J'aimerais que tu prépares non seulement ta scène, mais que tu prépares ton manteau. Nous allons prier avec le manteau ce matin dans le nom de Jésus. Tu as ton manteau sur toi pendant que nous sommes en train de prier, de faire ces déclarations ce matin. Bien-aimé, commande au matin, commence à parler au matin, commence à ordonner au matin ce que tu veux que soit ce mois de mai. Bien-aimé, le royaume des cieux appartient aux violents. Pour que tu puisses rentrer dans ta saison, tu puisses activer tes bénédictions, activer ce que le Seigneur a préparé pour toi. Tu dois te lever, tu dois être acteur de ta destinée avec Dieu. Tu dois être actrice de ta destinée avec Dieu. Tu ne dois pas rester à observer, mais tu dois te lever en prière. Voilà pourquoi nous nous levons ce matin dans la présence de Dieu. Au nom de Jésus, prépare la Sainte-Seine, prépare également le manteau prophétique avec lequel nous allons prier ce matin de manière spéciale. Si tu as l'habitude de prier avec le manteau prophétique, c'est très bien. Mais ce matin, c'est une orientation spéciale que le Seigneur m'a donnée, que tu puisses prendre le manteau bien-aimé dans le Seigneur, prier avec ce matin en particulier. Si tu ne l'utilises pas de manière systématique, ce matin, prends le manteau et nous allons prier avec dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Quelle grâce, quelle grâce. Pendant que tu te connectes, like s'il te plaît la vidéo, like le lien et partage-le dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que tu te connectes, partage, partage, partage ce lien dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Waouh! Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je vois une armée puissante, une armée debout, une armée puissante levée devant la présence de Dieu afin de vivre la gloire de Dieu. Bien-aimé, ton destin est entre tes mains. Tu dois te lever, bien-aimé, pour aller, bien-aimé, entrer en possession de ce que Dieu a préparé pour toi. Ton miracle arrive, la saison de ta visitation est là. Bien-aimé, quant à toi d'entrer et de saisir tout ce qui se trouve, bien-aimé, dans ce champ, bien-aimé, qui est le nouveau mois que Dieu a mis à ta disposition. Quitte à toi de te lever, d'aller récupérer, d'aller prendre, d'aller arracher ce qui t'appartient dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Un mois spécial, un mois de victoire, un mois de gloire, un mois où nous sommes en prière, bien-aimé dans le Seigneur, pour ceux
qui n'étaient pas informés, nous avons déjà commencé notre programme sur la couronne d'Esther qui a commencé, qui vient de commencer même déjà aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas encore inscrits dans les différents groupes pour la couronne d'Esther, bien-aimés, veuillez entrer en contact avec les modératrices. Je répète, entrez en contact avec les modératrices pour obtenir les orientations, bien-aimés, et aussi être inscrit. Si vous avez déjà fait, bien-aimés, votre sacrifice et que vous n'êtes pas encore inscrit, réécrivez aux modératrices afin qu'on puisse vous inscrire pour commencer ce puissant programme dans la présence de notre Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais, bien-aimé, que tu puisses prier avec moi ce matin, ton manteau sur la tête. Ton manteau sur la tête, bien-aimé dans le Seigneur, la Sainte-Seine à côté de toi. Nous prions pour consacrer d'abord la Sainte-Seine. Ensuite, tu vas la prendre à la fin de ce temps de prière, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu prends le pain, tu prends le fruit de la vigne et nous prions ensemble. Bien-aimé, nous consacrons la Sainte-Seine de ce matin dans la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous venons devant ta présence encore. Merci pour la grâce, merci pour la faveur, merci pour l'opportunité ce matin que tu nous donnes de communier au corps et au sang de Jésus. Nous venons ce matin, Seigneur, consacrer le pain, nous venons consacrer le fruit de la vigne. Seigneur, je prie et je déclare au nom de Jésus. Que ce pain, Seigneur, devienne le corps de Christ et que ce fruit de la vigne devienne le sang de Jésus. Je prie et je déclare, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, par le corps et par le sang de Jésus-Christ, je reçois la puissance de Dieu, je reçois la vie de Dieu, je reçois l'ADN divin en moi. Au nom de Jésus-Christ, je reçois l'onction de Dieu ce matin en moi. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus lave mon corps, lave mon âme, lave mon esprit. Que le sang de Jésus-Christ me déconnecte de tout sang maléfique. Seigneur, tu nous as dit de faire ceci en mémoire de toi. Je prie, Seigneur, que la Sainte-Seine de ce matin soit une Sainte-Seine spéciale qui va nous connecter, Père, Seigneur, aux grâces préparées pour nous en ce mois. En ce nouveau mois, le sang de Jésus-Christ puisse crier dans nos vies. Que le sang de Jésus, le corps de Jésus-Christ puisse parler en nous afin de nous détacher de toute alliance maléfique liée à notre sang. Afin de nous détacher de tout plan satanique lié à notre sang. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ maintenant me donne la vie. Je prie et je déclare que le sang de Jésus-Christ maintenant m'emmène dans la dimension de la puissance et du surnaturel. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus-Christ rend mon sang intouchable. Que le corps de Christ en moi rend mon corps intouchable au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai pas l'objet, je ne serai pas l'objet des manipulations, des sorciers. Par le corps et par le sang de Jésus-Christ, je déclare que je ne serai pas influencé par les lois sataniques qui me réclament à cause de mon sang, à cause du sang que j'ai hérité. Au nom de Jésus-Christ, je prie et je déclare par le sang de Jésus-Christ, l'alliance en Christ parle dans ma vie. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'appelle et je proclame la vie en moi. J'appelle et je proclame la vie en moi. J'appelle et je proclame la vie en moi. Maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Restaure-moi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Sang de Jésus-Christ. Enlève en moi tout poison maléfique qui est entré dans mon corps
au nom de Jésus, tout contact satanique avec les esprits maléfiques, avec les sorciers, dans le nom de Jésus, soit condamné, soit jugé, soit brisé par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je proclame et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que mon corps maintenant est couvert par le sang de Jésus. Je déclare au nom puissant et précieux de Jésus, une nouvelle saison commence par le sang de Jésus-Christ. Je déclare que cela soit activé maintenant, maintenant, maintenant. Cela soit activé maintenant, maintenant, maintenant dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, dis avec moi, fire, fire, fire. Tu peux envoyer des fire, des fire, des fire. Bien-aimé, c'est un matin de déclaration prophétique. Le nouveau mois, bien-aimé, tu dois le commander. Et lorsqu'on dit commander, c'est parler, c'est décréter, c'est déclarer. Ce qui a été retenu, bien-aimé, dans le deuxième ciel, ce qui a été retenu dans le monde des ténèbres, ce qu'on a mis pour t'empêcher d'entrer dans cette saison, doit être activé maintenant, maintenant, maintenant. Doit être activé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dois commencer à posséder et à vivre des victoires. Bien-aimé, nous allons déjouer également tous les plans des sorciers, tous les plans des démons, tous les plans des agents maléfiques. Nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, qu'ils n'aiment pas notre réussite, qu'ils ne veulent pas ta paix, qu'ils ne veulent pas ta joie. En ce mois, ils ont préparé toute forme de stratégie pour te voir pleurer, pour te faire échouer, pour te voir au plus bas. Mais ce matin, bien-aimés, tu te lèves dans la présence de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui s'élèvera contre nous? Bien-aimé, tu dois t'élever, revendiquer cela, prier pour cela. Tu dois être acteur. J'ai dit au début que tu dois être acteur de ta propre destinée pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Il y a des portes d'accès efficaces, bien-aimé, qui sont devant toi, ouvertes, mais les ennemis sont nombreux. Nombreux sont les ennemis qui se tiennent devant les portes d'accès efficaces, qui se tiennent devant les portes de bénédiction, devant les portes de victoire, devant les portes de succès, pour t'empêcher d'y accéder. Nombreux sont les ennemis qui ne jurent, bien-aimé, que pas ton échec, qui ne jure que par ta mort, qui ne jure, bien-aimé, que tu puisses être éliminé, écarté dans cette course. Il y en a plusieurs qui aimeraient être à ta place, qui ne veulent que prendre ta place, qui ne veulent, bien-aimé, que ton foyer soit détruit, qui veulent seulement que tes enfants soient déstabilisés. Il y en a tellement, bien-aimé, les ennemis sont nombreux. Voilà pourquoi n'ignore pas ce côté, bien-aimé, du combat spirituel. Élève-toi pour posséder ton nouveau moi, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans les mondes occultes, les sorciers, ils se lèvent tous les jours, à chaque moment, ils font des imprécations. Avant que les journées ne commencent, ils sont en train de faire leurs sacrifices. Ils sont en train de faire leurs alliances. Ils sont en train de faire leurs incantations. Comment est-ce qu'ils vont compliquer ta vie? Ne crois pas, bien-aimé, que les projets que tu as vont réjouir tout le monde. Ne crois pas que la vision que tu as, tu vas l'atteindre si simplement. Il faut aller l'arracher, il faut aller prier, il faut aller déjouer, bien-aimé. C'est une guerre que nous sommes en train de mener, mais dans laquelle, bien-aimé, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs avec Jésus. Mais lève-toi dans la prière, bien-aimé, pour aller arracher ce que Dieu a préparé pour toi. Ce matin, élève ta voix. Commence d'abord à rendre grâce à Dieu. Commence à bénir Dieu qui t'a fait entrer en ce nouveau mois. Parce que tu es entré dans ce nouveau mois, tu es entré dans le cinquième mois de l'année, bien-aimé dans le Seigneur, ce nouveau mois, c'est une opportunité pour toi de vivre encore ce que Dieu a préparé pour toi, de vivre ce que Dieu a destiné pour toi, d'entrer en possession de tes grâces de ce mois. Élève ta voix, commence à bénir le Seigneur.
Bien-aimé, écoute, le matin, lorsque nous prions, c'est une matinée de guerrier, c'est un moment de puissance, c'est un moment de gloire, c'est un moment où tu parles, tu décrètes, tu prononces des paroles, bien-aimé, tu es en train de parler sur ta vie, là où tu es ce matin, ton manteau sur la tête, bien-aimé, tu prends ton manteau sur ta tête, tu es en train de prier, commence d'abord par adorer Dieu, commence par bénir Dieu, commence par apprécier la grâce que le Seigneur t'a accordée ce matin, là où tu es, je suis en train de voir une personne qui est en train de célébrer Dieu. Je suis en train de voir une personne qui est en train de célébrer la grandeur de Dieu. Je suis en train de voir une personne qui est en train de bénir Dieu pour cette victoire qu'il a reçue au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix maintenant. Commence à prier. Là où tu es dans ta maison, là où tu es, si c'est sur la route pour aller au travail, si c'est tu es au volant en train de conduire, sois concentré, mais commence à élever, commence à parler, commence à déclarer, commence à célébrer le Seigneur. Come on. Alléluia. Re ma chante re bébé bébé. Rande re bécha. Re ma chanda bayasha. I kante re mesai. Ronda mayase. Ro kanta mayago. Ri ma chande re mesai. Ro baba baba. Renda maya. Au nom de Jésus-Christ, ce matin, je viens te rendre gloire. Ce matin, je viens élever ton nom. Ce matin, je viens te proclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je te célèbre pour la vie. Je te célèbre pour la vie que j'ai ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois élevé, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci Jésus parce que tu m'as fait rentrer en ce nouveau mois. Je te célèbre, je te dis merci parce que jusqu'ici, tu m'as gardé. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as préservé des dangers. Tu m'as préservé de la honte, tu m'as préservé des maladies, tu m'as préservé. Je regarde la vie de mes enfants. Je te bénis, je regarde la vie de mon mari, je te bénis, je regarde ma vie, je te célèbre, j'élève le nom de Jésus, j'élève le nom de Jésus, le nom qui mérite la gloire, le nom qui mérite la louange, le nom qui mérite d'être célébré. Ce matin, je viens élever ton nom, Yahweh, Yahweh merci, Yahweh merci, Yahweh merci, parce que j'ai vie, je vis, tu m'as fait vaincre les batailles de la nuit, tu m'as fait vaincre les batailles du jour. Oh Dieu, je viens crier haut et fort que tu es mon Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Papa, digne de gloire, digne de louange, digne d'être adoré, digne d'être célébré. Je viens le proclamer, le Dieu de ma vie, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, le Dieu tout-puissant. Devant toi, tout genou fléchit. Je le proclame, Seigneur, ce matin, parce que tu fais fléchir devant moi tout ce qui s'élève et qui se met. Seigneur, pour empêcher que je puisse avancer, tu fais fléchir devant moi tous les démons qui se mettent ensemble pour vouloir me déstabiliser. Tu fais fléchir la maladie, tu fais fléchir le chômage, tu fais fléchir les combats qui viennent à gauche et à droite. Tu fais fléchir les résistances sataniques qui s'opposent, Seigneur, à ma destinée. Je te bénis et je te célèbre parce que tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, le Dieu d'Ésaïe 45, verset 2. Celui qui vient, bien-aimé Seigneur Jésus, pour briser, éternel, les portes des reins. Seigneur, celui qui vient pour briser les verrous de fer. Celui qui vient pour aplanir mon sentier, aplanir mon chemin, m'ouvrir les voies. Je te bénis ce matin. J'élève ton nom ce matin. Hey Yahweh, hey Yahweh. Hey Yahweh, sois élevé éternel, sois élevé Adonai, sois élevé El Shaddai, sois élevé le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus, gloire à ton nom Jésus. J'entends quelqu'un ce matin commencer à bénir Dieu, j'entends quelqu'un ce matin commencer à célébrer, commencer à adorer, commencer à élever. Bien-aimé, mets le feu de la prière chez toi, mets le feu de la prière dans ta maison, allume ta maison par la prière ce matin, allume ta maison par la prière ce matin. Lorsque tu élèves Jésus, lorsque tu célèbres Jésus, tu lui donnes sa place dans ta vie, sa place dans ta maison, sa place dans tes activités, sa place dans ton travail, sa place dans tout ce que tu as opéré cette semaine, ce mois de mai. Commence à dire merci à Dieu, commence à élever Jésus. Alléluia, alléluia.
alléluia, alléluia, come on. Rabashanderebesai, rinta mayago, rebaba. Oui, tu fais bien de monter, monte, 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 monte encore, monte encore, monte encore dans la présence de Dieu. 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 Bien-aimé, si l'Éternel ne bâtit une maison, ceux qui travaillent, travaillent en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui la garde en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui travaille le fait en vain. Bien-aimé, ce matin, tu vas prier le Seigneur et tu vas déclarer. Tu vas dire, Seigneur, sois le fondement, le bâtisseur, ce mois pour moi. Sois la base. Bien-aimé, quand la fondation est solide, quand la base est bien posée, quand la fondation est solide, peu importe les vents, peu importe les tempêtes, peu importe les obstacles, peu importe les oppositions, la maison tiendra et tu pourras encore même les lever. Tu peux les lever aussi haut. Tout dépend de la base. Tout dépend du fondement. Tu peux emmener une maison à atteindre des sommets. Le plus haut, il y a des tours qui sont élevées à des kilomètres. Bien-aimé, à des mètres et des mètres. Bien-aimé, pourquoi? Tout dépend de la base et du fondement. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, sois le fondement, sois la base durant ce mois. Pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé, tu as ton manteau sur la tête. Bien-aimé, c'est un acte prophétique qui est un symbole de la puissance de Dieu. C'est une arme puissante que nous utilisons dans les prières de combat. Tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, sois le fondement. Seigneur, tout le travail que je fais, je ne le fais pas seul. Peut-être que tu es en train de projeter de faire une entreprise. Bien-aimé, si le Seigneur n'est pas dedans, c'est en vain que tu l'as fait. Tu es en train, tu as planifié, tu as tout calculé, tu as évalué les risques pour te lancer. Tu as été voir, je ne sais pas, la banque, tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Mais si le Seigneur n'est pas la base, ton activité est vouée à l'échec, laisse-moi te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as beau vouloir te marier, tu as tout de fait, tout d'arrêté. Peut-être que tu es poursuivi par des esprits de célibat. Bien-aimé, si le Seigneur n'est pas le fondement de cette union, de cette relation, il n'est pas la base, du jour au lendemain, ça va s'écrouler. Tu vas te rendre compte que pour un rien, vous commencez à vous disputer. Pour un rien, il n'y a plus d'entente et le mariage est avorté. Bien-aimé, tout ce que tu fais sans que le Seigneur en soit la base est fragile et instable. Tout ce que tu fais sans que le Seigneur en soit le fondement est fragile et instable. Je parle à quelqu'un ce matin. Tout ce que tu fais, mais là où Dieu n'a pas son intérêt, là où Dieu n'est pas mis en première, là où Dieu n'est pas mis comme base, comme fondement, bien-aimé, cela est fragile. Ta maison est fragile, ton foyer est fragile, parce que le Seigneur n'est pas le fondement. La Bible dit, c'est lui qui est le bâtisseur. S'il ne bâtit tout ce que tu... Écoute, tous les efforts que tu peux faire pour être une bonne personne, pour être bien vu, pour être apprécié, pour que les gens t'ouvrent les portes, tu peux être gentil, tu peux aider les gens, tu peux tout bien faire, mais si cela n'est pas basé sur le Seigneur et que le Seigneur ne le tient pas, bien aimé, ça ne te produira absolument rien, zéro. Ça ne te produira rien. Pour que tu puisses avoir le succès dans ce que tu fais, je parle à quelqu'un. Tu as peut-être les moyens. Tu te dis, j'ai les moyens de faire tel projet. J'ai le moyen, j'ai le temps, j'ai l'opportunité. Bien aimé, si le Seigneur n'en est pas la base, écoute, tout ce que tu es en train de faire, c'est voué à l'échec et c'est fragile. Lorsque le vent arrivera, lorsque la tempête s'élèvera, lorsque les complications vont venir, bien aimé, cela va être détruit. J'aimerais que ce matin, tu puisses prier pour que le Seigneur soit le fondement et la fondation. Ce mois de mai, bien aimé, que Dieu soit à la base de tout ce que tu entreprendras. Qu'il le tienne, bien aimé. Tu n'avais peut-être pas consacré ta
ta maison à Dieu, ta famille à Dieu, ton foyer à Dieu, tes enfants à Dieu. Bien-aimé, mets le Seigneur comme fondation, comme fondement. Commence à prier, commence à prier. Seigneur, bâtis ma maison, bâtis mon travail. Sois le fondement dans mes activités, sois la base dans ma maison. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Ramachanderebessa, élève ta voix, élève ta voix, et élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur, commence à prier, commence à prier. Commence à déclarer au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rande maya sana, ikarebe shandara baba, roma shandere besai, rikanta mayako. Au nom de Jésus, rabache, rababa. Prie le Seigneur, Jésus, 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 Jésus. Je prie ce matin, sois le fondement, sois la base de ma vie, dans cette activité. Seigneur, que toi tu sois le fondement. Je veux bâtir mon entreprise sur toi. Je veux bâtir la vie de mes enfants sur toi. Je veux bâtir ma carrière sur toi. Je veux bâtir, Seigneur, mon épanouissement sur toi. Je veux bâtir mon foyer sur toi. Je veux que ma santé soit bâtie sur toi, assise et fondée sur toi, l'Éternel des armées, sur toi, l'Éternel des armées, sur toi, l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ramacharebe santa yamakai, remachate randira machakayaba rokatamaya rinda remasa romachanderebe. Sois le fondement. J'entends quelqu'un qui est en train de prier. Ce n'est pas le moment de pleurer. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Pendant que eux vont faire leurs alliances, pendant que eux vont faire leurs sacrifices, ils vont renouveler leurs alliances. Ils vont refaire leurs pactes. Ils vont refaire leurs actes, bien-aimés dans le Seigneur. Toi, lève-toi en prière. Toi, commence à consacrer à Dieu. Dis, Seigneur, ce mois, tu es la base, tu es le fondement. Ce mariage ne sera pas détruit parce que tu en es le fondement. Je ne perdrai pas cette affaire. Je ne perdrai pas ce poste. Je ne perdrai pas ce foyer. Je ne perdrai pas cet argent. Je ne perdrai pas ce que toi tu me donnes parce que tu es le fondement, parce que tu es la base. Commence à prier là où tu veux que cela soit inébranlable, là où tu veux que cela ne bouge pas, ce que tu veux maintenir, bien-aimé, une vie d'instabilité totale. Bien-aimé, c'est instable parce que la base n'est pas le Seigneur. Mets au Seigneur la base, mets le Seigneur comme étant la base. Bien-aimé, la base, voilà pourquoi nous disons, bien-aimé, si tu n'as pas encore bâti des hôtels pour ce domaine-là qui est si fragile, c'est le moment de le faire afin de le stabiliser avec le Seigneur. Lève-toi, comme à prier. Lève-toi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore consacré ton mois, c'est maintenant que tu consacres ton mois. Tu consacres ton mois, bien-aimé, à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui es le fondement. C'est toi que je mets comme base. Tu vas me soutenir. Quand la tempête s'élèvera, quand le vent va souffler, quand l'instabilité voudra arriver, je vais tenir ferme. Mes enfants tiendront malgré la difficulté. Seigneur, ce vent va s'arrêter. Oh Dieu, cette oppression dans ma famille, cette oppression sur mes enfants, cette oppression dans mes activités. Seigneur, sois la base, sois le fondement. Trop, c'est trop. Dans le nom de Jésus. Trop, c'est trop. Dans le nom de Jésus. Trop, c'est trop. Dans le nom de Jésus. Ramachate mayaga. Rani amaka. Rokabayasa. Romasanderebe shandiababa. Randamachete kerebe. Rika ramasai. Robosanta. Rindarebebe shai. Rande kamaya. Rabasha. Rekete. Rimasanda. Remasai. Romashende. Rabaye karaba. Randa baba, rema chande, rabayanaka, reba baba, itarabase, roma chanda, raba baba, reba baba, indarababa. Commence à prier, commence à prier. Bien-aimé, tu es en train de libérer, 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 bien-aimé, les paroles, libérer, libérer, libérer. Oui, tu peux commencer à parler. Tu mets Dieu dans cette activité. Seigneur, sois la base, sois le fondement, sois le fondement, sois le fondement. Seigneur, toi bâtis, toi construis, toi fais monter, toi stabilise. Seigneur, dans cette carrière que j'emprunte, je veux que toi tu sois la base. Dans ce voyage que je veux faire, sois la base. Dans cette activité dans laquelle je me
finance, sois le fondement. Seigneur, dans ma santé, sois le fondement. Dans la vie de mes enfants, dans leurs études, sois le fondement. Dans mon mariage, sois le fondement. Dans mes finances, sois la base, Seigneur. Dans le nom de Jésus, construis, baptise, protège. Seigneur, veille sur ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ramachanderebesa, rikantemaya, romachanderebesa. Chanderebe, rabababa, ikatekerebe, randerabababa, ikarebebe shai, ronamayako, randerebebe, rabababa, remasha, rokatayaba, rimasanderebe, randerekebaya, ramara, renababa. Bien aimé, si tu sais prier en langue, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de prier, tu es en train de libérer le sort, tu es en train de déclarer, tu es en train de délier ce qui a été lié, bien aimé, là où c'était sur des fondements de tes ancêtres, par les lois sataniques, par les alliances maléfiques. Bien-aimé, tu es en train de mettre Dieu. Tu es en train de mettre Dieu. Tu es en train de mettre Dieu par tes prières. Bien-aimé, pendant que tu déclares, bien-aimé, si tu as aussi ton offrande pour sceller ton moi, pour consacrer ton moi, fais-le, bien-aimé. C'est un acte que tu es en train de poser pour mettre le Seigneur comme fondement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Rande Mayasai, Robabache, Romachenderebesa, Randiyaba, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, nous allons prier. Pendant ce mois, nous allons prier pour chambouler les marchés des sorciers. Écoute, les sorciers tiennent des marchés, ils tiennent des lieux, ils tiennent des réunions. Là où ils ont bloqué, là où ils ont mis en attente, là où ils ont lié, là où ils ont enterré, là où ils ont caché différents domaines de ta vie, différents succès de ta vie, différentes gloires, élévations, visitations que Dieu a préparées pour toi. Mais ils sont venus, les ont arrachés. Ils ont vu ton étoile. Ils ont pris, ils l'ont caché pour que tu ne brilles pas. Ils ont vu que si on te laisse en paix, tu ne vas pas avancer dans ta vie avec le Seigneur. Alors ils l'ont volé. Ils ont vu, bien-aimé, dans le Seigneur, que si ils te laissent la force, bien-aimé, tu vas pouvoir travailler pour Dieu. Ils t'ont volé la force. Ils t'ont volé ton zèle. Ils t'ont volé ton amour pour Dieu. Tu te sens vidé. Bien-aimé, ils ont pris ton étoile. Ils travaillent avec l'étoile de tes enfants. Ils sont en train de les perturber. Ils sont en train de les télécommander, de les diriger. Bien-aimés, nous allons prier pour aller détruire par la puissance du nom de Jésus-Christ. Il nous a donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, marcher sur les scorpions. Nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Jésus t'a donné le pouvoir, il t'a donné l'autorité. Ce matin, tu vas prier afin que dans le nom de Jésus, tous les marchés des sorciers soient chamboulés, qu'il y ait les désordres, tous ceux qu'ils avaient arrachés, tous ceux qu'ils avaient volé, tout ce qu'ils avaient pris, qui te représentait, soit maintenant éparpillé, détruit, disparaisse, puisse être détruit au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin et que tu commences à prier au nom de Jésus pour chambouler, mettre les désordres, mettre le feu dans les marchés des sorciers, sur leurs marchés, sur leurs étals, là où ils ont représenté ta vie, là où ils ont représenté tes enfants, là où ils ont représenté ta destinée. Qu'il y ait le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu pour arracher ce qu'ils ont placé sur leurs autels en ce nouveau mois. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier au nom de Jésus. Come on. Rabababababa. Shenda rabababa. Rema shenderebesai. Rika bayase. Roma shenderebe. Rabababa. Rena mayase. Raketerebe. Raniyama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Seigneur, je prie ce matin dans le nom de Jésus que le marché des sorciers soit chamboulé maintenant. J'envoie le feu de Dieu. 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 Fire, fire, fire. Fire sur leur table. Fire.
Fire sur leurs articles. Fire sur ceux qu'ils ont mis. Seigneur, qu'ils ont liés, qu'ils ont enfermés dans les chaînes, dans leur marché. Maintenant, au nom de Jésus, si c'est ma santé, j'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Seigneur, qu'il y ait désordre, trouble. Seigneur, dans leur corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fire. Reba Shatayaba. Fire. Rika Maya. C'est fire. Au nom de Jésus, Rinda Mayasa, Randira Baba Baba, Rokata Yaba, Remasa, Rimashanderebesa, Rababa Baba, Rimashanderebe, Rakanta Yaba. Seigneur, là où on a mis ma réussite, là où on a mis mon succès, là où on a déposé mon étoile, pour que je ne puisse pas briller, pour que je sois transparente, pour que je sois invisible, pour que les portes me soient fermées, pour que je ne puisse pas opérer dans ce nouveau moi, par le fait de Dieu, maintenant, Seigneur, que le marché des sorciers soit chamboulé par le feu de Dieu, 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 fire, 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 au nom de Jésus-Christ. Où est-ce qu'ils ont mis la santé de mes enfants? Où est-ce qu'ils ont mis l'épanouissement de mes enfants? Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que tes enfants, c'est maladie sur maladie. Chaque fois qu'il y a une guérison, la maladie revient. Chaque fois qu'il y a un petit peu de mieux, ça devient de plus en plus pire. Bien-aimé dans le Seigneur, là où on a déposé ta santé, il y a des organes qui ont été livrés, qui sont vendus dans les marchés sataniques. Bien-aimé, ces organes sont toujours attaqués par la maladie. Ces organes sont toujours attaqués par la maladie. Le diable est en train de toucher pour te déstabiliser. Ils ont vendu ta vie. Ils ont vendu ta vie, bien-aimé. Que le feu de Dieu aille détruire leur marché. Maintenant, là où ils font les trafics, là où ils font les trafics, ils trafiquent ta destinée. Ils te donnent une destinée qui n'est pas à toi. Ils trafiquent ton étoile. Ils jouent avec ton étoile pour te maintenir par terre. Ils trafiquent la vie de tes enfants pour leur donner une identité qui n'est pas la leur. Ils trafiquent la vie de ton mari pour le diriger d'une façon que Dieu ne veut pas. Bien-aimé, tu vas chambouler les marchés. Dans les marchés, il y a les trafics. Dans les marchés, il y a des ventes, des achats. Il y a des transactions sataniques qui sont faites. Tu vas prier toute transaction avec ton nom, toute transaction avec tes enfants, toute transaction avec ton mari, toute transaction avec ta famille. Sois annulé, sois annulé, sois annulé, sois annulé. Maintenant, au nom de Jésus, fire. Hey, fire, rababa, remacha, monte, reba, chende, rebesai. Hey, tu es en train de monter, tu es en train d'annuler. Maintenant, fire, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, remachanda yabako, randere bebebe, rabababa, rande bayashai, les transactions qui sont faites, Seigneur, dans le monde des sorciers, pour prendre mon étoile, pour que quelqu'un d'autre l'utilise, et me mette dans la pauvreté, et m'envoie des maladies, et m'envoie des mauvais sorts, et m'envoie l'aveuglement, je prie que cela soit annulé, par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, faya ya 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 ya, faya ya 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 ya, faya ya ya ya. Faya ya 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 ya, commence à prier, commence à chambouler leur marché. Marché, tu es en train de chambouler leur marché. Rabababa, remachanda ya baba, rekabayasa, randere bébé, rimachante, rabashaka ya massa, rikaterebe, randia mama, rebasa, rekete, indarabasi, rabababasho, rabababash, rebabababash, rebabababash, romasha, rindamaya, rekata, ribasa, roketema, randia massa, romasha. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, 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 eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, lève-toi, 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 lève-toi.
avec toi. Détruis les conseils des sorciers. Détruis les conseils des méchants. Détruis les conseils de ceux qui s'acharnent contre ma vie en ce nouveau mois. Ceux qui s'attendent à ce que je puisse le louper. Ceux qui s'attendent à ce qu'un accident me prenne et que je meure. Ceux qui s'attendent à ce qu'une maladie frappe mon mari. Ceux qui s'attendent à ce qu'une maladie frappe mes enfants. Ceux qui s'attendent à ce que je perde un bien. Je perde les biens. Je perds ma maison. Je perds mon travail. Que ma vie n'avance pas. Seigneur, j'envoie le feu. Seigneur, j'envoie le feu. Fire, fire. Que leur marché soit chamboulé. Leur marché soit chamboulé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ramachan. Tere bébé, rande yamaka, eh, rande yamaché, re santaba, randara baba, reke terebe, rande yabasa, ramacha, rikate, rakebaba, indara baba, romachata, ikamayache, rakita maya, rebachate, rimasa, rokata, rebaba, rande baya, rimashaya, rekete, rababa, robacha, rekete, rande baba, indara baba roba baba indare bébé raba baba indara baba roba chez au nom de Jésus, au nom de Jésus Christ, au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, si tu sais prier en langue, prie en langue, bien-aimé, prie en langue, bien-aimé. Lorsque tu es en train de prier en langue, c'est des mystères que tu dis, certes, mais le Seigneur est en train de l'accomplir. Derrière ces mystères, il y a la puissance de Dieu. Derrière ces mystères, il y a un langage que les démons ne comprennent pas. Il y a un langage que les sorciers ne comprennent pas, ne peuvent pas maîtriser. Commence à libérer le sort. Commence à libérer le sort pour que les marchés des sorciers soient détruits. Soient détruits. Soient détruits. Soient détruits. Cette semaine, ce nouveau mois qui commence, les marchés des sorciers sont chamboulés. Je dis chamboulement total dans ce que eux avaient préparé et arrêté contre toi en ce nouveau mois. Chamboulement total dans ce que eux avaient préparé contre toi pour te détruire. Chamboulement total là où ils s'attendaient à te voir tomber, c'est là où tu vas être élevé. Parce que le Seigneur est le fondement. Parce que c'est lui qui est la base. Parce que celui qui fonde ta maison. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu n'as pas encore fait, c'est le moment de consacrer ton nouveau mois à Dieu. Lorsque, bien-aimé, tu consacres ton nouveau mois à Dieu, tu es en train d'implanter le règne et la puissance de Dieu. C'est un acte spirituel, un acte prophétique. Alors que tu consacres ton mois à Dieu par tes prières, par ton offrande, ton sacrifice du nouveau mois, bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de se manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoute, nous sommes dans un nouveau mois. Que l'ennemi ne vienne pas te prendre ce que Dieu a arrêté pour ta destinée. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Les plans des sorciers sont déjoués. Les plans des sorciers sont déjoués. Les plans des sorciers sont déjoués au nom de Jésus. Tous les conseils des méchants sont annulés. Bien-aimé, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Que tu pries pour annuler le conseil des méchants. Le conseil de ceux-là qui te jugent. Le conseil de ceux-là qui se sont mis ensemble pour te voir périr. Il y a des gens qui se mettent ensemble uniquement pour que toi tu tombes. Il y a des gens qui se mettent ensemble uniquement pour que tu puisses perdre. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour que toi tu sois dans les lamentations tout le temps. Bien-aimé, tu vas prier pour libérer le sort. Maintenant, toutes les personnes qui veulent te voir détruit, que leur plan soit détruit au nom de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix maintenant encore là où tu es. Nous sommes en train de prier. Nous sommes à la fin de ce temps, bien-aimé. Mais j'aimerais que tu pries pour maintenant détruire, annuler les conseils des méchants, les condamnations, les arrêter qu'on avait déjà pris pour que cela s'accomplisse au mois de mai 2023. Par le monde des sorciers, par le monde des ténèbres, que cela soit annulé, que cela soit détruit maintenant, au nom de Jésus. Commence à élever ta voix là où tu es. Tu es en train maintenant d'annuler maintenant le conseil des méchants, les décisions qui ont été prises spirituellement pour s'imposer physiquement dans ta vie, que cela soit annulé, les mauvaises décisions qui ont été prises, les condamnations, que les sorciers
ceci en fait sur toi. Élève ta voix, 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 commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens détruire maintenant les conseils des méchants. Je viens détruire les conseils des sorciers. Là où ils s'étaient assis, ceux qu'ils ont dit contre ma vie, ceux qu'ils ont voulu faire contre mes enfants, ceux qu'ils ont voulu décider dans mon foyer. Seigneur mon Dieu, cela soit brisé. Cela soit brisé, que leur sort soit brisé, que leur sort soit détruit. Au nom de Jésus, j'annule leur condamnation, j'annule leur condamnation par le sang de Jésus et par le feu de Dieu. Ce qu'ils avaient arrêté depuis le début de l'année, depuis ma naissance, pour que cela s'opère au mois de mai 2023, je déclare que cela soit annulé, que cela soit annulé. Les conseils, Seigneur tout éternel notre Dieu, groupement fait contre moi, toute cabale maléfique qui a été arrêtée dans le monde des ténèbres, Seigneur, pour parler en mal de moi, pour faire du mal contre moi, pour monter des projets maléfiques qui m'atteindront, que cela soit brisé, 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 au nom de Jésus-Christ, je déclare que je ne connaîtrai pas d'accident, je ne partirai pas d'une mort subite, je ne partirai pas des flèches sataniques, les flèches, les armes qu'on utilise la nuit, Seigneur, les flèches qu'on envoie la nuit pendant que nous dormons pour nous attaquer et produire des effets le jour, que cela soit brisé. Seigneur, toute maladie qu'on m'a envoyée soit brisée au nom de Jésus. Ils ont préparé qu'un malheur m'atteigne, qu'une maladie me frappe, qu'un diagnostic médical pessimiste soit émis en ma faveur. Je prie que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit, que cela soit détruit par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Merci pour l'armée de Michaël, Jésus qui est avec moi. Merci pour l'armée de Michaël qui me fait sortir de leur piège, qui me fait sortir de leur piège, qui me fait sortir de leur piège. Seigneur, annule leur décision, annule leur décision. Les arrêts de mort émis contre moi maintenant sont brisés, 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 brisés. Brisé, faille au nom de Jésus. Seigneur, aucune personne dans ma maison, Seigneur, ne partira par les flèches et les attaques de l'ennemi. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne va déstabiliser ma famille, mes enfants, mon mari, mon foyer. Seigneur, dans le nom de Jésus, tout ce qui a été déclaré pour emmener le deuil dans ma famille chez moi, j'annule, je renverse des esprits de mort. Je renverse des esprits de mort, les esprits de mort, les condamnations sataniques, les prisons maléfiques. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Maintenant, là où est cité mon nom, je déclare, Seigneur, là où mon nom est écrit, là où on traite mon cas, là où on parle de moi, là où on parle de mes enfants, le dossier sur lequel figure mon nom, Seigneur, je mets le sang de Jésus et tout conseil de méchant qui traite de mon nom soit dissolu. Je dis soit dissolu, soit dissolu. Éternel, dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il y ait une dissolution. Seigneur notre Dieu, il soit dissous dans le nom de Jésus. 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 Faïa, ya, ya, ya. Faïa, ya, ya. Que le conseil de méchants soit détruit, soit dissous, soit brisé. Au nom puissant et précieux de Jésus. Tu peux dire avec moi, faïa, ya, 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 ya. Faïa, ya, ya, ya. Faïa, faïa, faïa. Au nom de Jésus, bien-aimé, tu as ton sacrifice pour consacrer le nouveau mois à Dieu. J'aimerais que tu le prennes. Tu as ta dîme, tu as ton offrande avec toi, bien-aimé. Alors que nous avons fait cette prière, j'aimerais que tu la prennes. J'aimerais prier pour toi. Si tu veux la faire, bien-aimé, tu peux la faire au ministère. Contactez les modératrices. Si on peut mettre le numéro de téléphone des modératrices pour ceux qui veulent consacrer le mois, faire leur dîme, donner leurs offrandes pour qu'ils puissent le faire. Sinon, il y a le compte du ministère PayPal qui est prière-révolutionnaire01@gmail.com. Vous pouvez le faire. J'aimerais que tu
prenne cette offrande, cette dîme. Si tu veux le faire, tu mets ta main sur ton cœur et tu pries avec moi. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, voici cette offrande. Tu vois ton fils, tu vois ta fille qui veut l'emmener, Seigneur, dans ta présence, Seigneur notre Dieu, au travers, Père, de son offrande. Tu vois, Seigneur, ce éternel, ce sacrifice pour consacrer ce mois. Je prie que cela soit un point de contact, Seigneur, avec leur miracle. Et qu'au travers de cette offrande, toutes les offrandes maléfiques qui ont été faites contre lui, contre elle, soient détruites maintenant au nom de Jésus-Christ. Elle prend possession de sa vie, de sa destinée par le sang de Jésus-Christ. Que cette offrande et ce sacrifice parlent devant ton trône pour activer une nouvelle saison, pour activer des nouveaux miracles, pour activer la gloire et la puissance de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Bénis la source de provenance. Bénis l'activité, Seigneur, au travers de laquelle est venu, Seigneur, ces sacrifices qu'ils te donnent. Multiplie dans leur grenier afin qu'ils ne manquent de rien. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur, acclame fortement le Seigneur, acclame Dieu. Que la puissance de Dieu soit manifestée dans ta vie ce matin au nom de Jésus. Cette semaine à Paris, jeudi, vendredi, samedi, il y a des entretiens à Paris. Bien-aimés de Paris, pour tous les entretiens, bien-aimés, vous pouvez entrer en contact avec les modératrices. Je vous donne les numéros des modératrices qui s'occupent des entretiens de Paris cette semaine, bien-aimés. Vous pouvez les contacter pour prendre rendez-vous. Dadi reçoit le jeudi, le vendredi, le samedi de la semaine qui commence. Donc, je crois que c'est le 5, le 3, le 4, le 5, je pense, du mois de mai. Cette semaine, ne manque pas cette opportunité d'avoir des orientations. Et aussi, le nouveau mois a déjà commencé, bien-aimés. Le nouveau programme de la couronne d'Esther a commencé. Tu souhaites te joindre à nous, tu peux le faire. Voici les contacts. Plus 596, 696, 20, 77, 58. Il y a aussi, je donne un deuxième numéro. Plus 596, 696, 05, 73, 77. Ça, c'est pour les entretiens de Paris. Également pour les Antilles, la semaine qui va suivre, il y aura également des entretiens prophétiques. À Kinshasa, bien-aimé, vous êtes à Kinshasa, vous êtes au Gabon, bien-aimé, nous serons là bientôt au mois de mai. Vous pouvez également vous inscrire au travers des modératrices. Pour le Gabon, vous pouvez vous inscrire au numéro de téléphone. Je vous donne plus 237 683 33 69 29. Les bien-aimés de Libreville, les bien-aimés du Gabon, je serai avec vous pour un temps puissant d'entretien d'orientation divine. Vous pouvez écrire à ce numéro ou alors à votre modératrice, vous pouvez le faire. Pour les bien-aimés de Kinshasa, vous pouvez le faire également au numéro de téléphone plus 44 74 04 84 21 61. Le Seigneur manifestera sa puissance dans sa vie et Dieu va vous faire du bien. Le Seigneur vous bénisse. Excellente semaine. Bon début de mois de mai. Et que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, 21h, un temps puissant dans la présence de Dieu. Ne manquez pas. Un temps puissant avec RMK. Et nous nous retrouvons demain à partir de 6h du matin pour encore consacrer notre journée à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine et très bon mois de mai à tous. Soyez bénis. Shalom.